Eh bien bonjour tout le monde, c'est les Micropods et aujourd'hui on se retrouve pour la Ligue Pokémon. Alors on va s'y mettre, ça y est. C'est moi qui ouvre les hostilités. Tu sais, en fait, je t'aime bien, mais c'est pas pour ça que je vais retenir mes coups. Franchement, t'es beaucoup mieux sans tes lunettes. Mais t'es très bien avec aussi. Cayenne du Conseil 4 veut se battre. Et je n'ai pas changé de place mes Pokémon, putain de merde. Ça y est, on va enfin se battre, t'as intérêt à te montrer à la hauteur. Ah, pas trop que ça. Surtout que le Barbicha, du coup, on l'a jamais vu, hein, donc ouais, là, c'est pas trop. Ah, le type Spectre est assez efficace, apparemment. Il esquive, ouais, voilà, c'était sûr. Aïe, 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 aïe. Bon, là, va te faire enculer, par contre. Bah non, merde, je voulais pas faire ça. C'est horrible. Voilà, premier Pokémon battu. Trio Piqueur. Je sais pas, faut utiliser qui. Je sais que c'est un Pokémon de type sol, mais. Bah allez, dans le doute, on va utiliser Quaquaval. Le pire, c'est qu'on l'a déjà eu, Trio Piqueur, donc ça va nous dire si on a des attaques super efficaces, efficaces ou peu efficaces. Mais je crois que le type eau, ça nique le type sol, je crois. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais. J'avais raison. Ce qui veut dire qu'on aurait pu utiliser Dracolos. On aurait pu. Pardon. Tu vas... Il va pas l'avoir. Et bah voilà, putain de sa mère. Bon bah du coup la vidéo durera pas 10 minutes, ça c'est sûr. Un dauphin. J'imagine que c'est un Pokémon eau, du coup. Pikachu. Enfin, un Rachou. Plutôt. Enfin si, c'est bien un dauphin. Hein. Oh, et merde, c'est un petit proche. Dans le doute. Ouais, c'est ce que je pensais, fallait le garder. Bon, tant pis, on va utiliser Dracolos, ça fera tout le monde. Par contre, si lui, il avait rien d'efficace, ça veut dire qu'il allait se faire péter la gueule. Et heureusement qu'on l'a dégagé, parce que, bon... c'est pas trop envie qu'il meure, quoi, dans un rat de soin de lui. Ouais, c'est ça. C'est bien, là, c'est réaliste, au moins ça nous affecte pas. Alors que dans les vieux jeux Pokémon, ça nous aurait affecté, hein. C'est horrible. Paf. Coup de queue. Oh mon dieu. Oh. Et enfin, elle se calme la tempête de sable. Il était temps. C'était sûr. Camérupt, je sais pas ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est, donc type feu, je crois. On va tenter un hydro-feu pour voir. Et c'était bel et bien type feu. Bon bah au moins il est mort. Et du premier coup. Un terrésiste. Je sais pas ce que c'est. Ça... Ah attention mec, je kiffe ton style.
J'ai l'impression que c'est un type plante. Ou un type insecte. Non, type sol. Ou roche. Bah, on va continuer ça, hein. On va vous aplatir, toi et ton équipe. Terrasiste, à toi. Eh merde, j'aurais dû utiliser la terre à cristallisation. Oh, tant pis. Hein. Déjà, juste si nous ne chope pas, on l'utilisera. Rien que ça. S'il ne tue pas notre Dracolos, déjà, voilà. Eh merde. Bah, du coup, oui, il est... Ah oui, c'était son dernier Pokémon, du coup. Un Pokémon poison, très bien, je note. Vous savez quoi, on va utiliser Dracochoc. Ce qui est nul à chier. C'est nul à chier, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que c'est un Pokémon eau, en fait, c'est bizarre. Le vent violent, allez. Il esquive, c'était sûr. Putain, non mais sérieux, les Pokémon, comment ils esquivent trop. Vraiment, c'est horrible, ils esquivent beaucoup trop. Ils font que ça. En fait, le jeu, la difficulté du jeu, c'est seulement les Pokémon, ils esquivent trop ou ils veulent pas rentrer dans la Pokéball. C'est tout. C'est juste ça, la vraie difficulté du jeu. C'est que ça casse les couilles. C'est même pas une vraie difficulté, c'est juste casse-couilles, quoi. C'est fait pour nous faire perdre du temps bêtement. Attends, je sais pas, mais quand tu vois que... Je reprends la dernière vidéo, des Pokémon de niveau 20, tu galères à les choper. Alors que c'est de la merde et que t'as 40 niveaux de plus que, je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça se voit hein, qu'ils veulent juste nous casser les couilles. Ça va se voir à un moment. Et le pire, c'est que là, le combat, il va durer des plombes juste parce qu'il fait que de se protéger. C'est tout. Juste parce qu'il se protège, ça va prendre des plombes. Et là, on va pas le fumer, voilà, c'est sûr. Bon, au moins, on l'a rendu confus, donc s'il peut s'attaquer lui-même, c'est pas plus mal. Voilà, il est enfin mort. Bah non. Ça aurait été trop beau, évidemment. Bon, au moins il se blesse, c'est mieux que rien. Bah oui, évidemment, ça aurait été trop beau sinon. Ça aurait été trop simple. Bah oui, on peut pas le tuer sans qu'il nous casse les couilles en une énième fois. Allez, nique ta mère la pute, fils de merde. Oh putain, je sens que la Ligue Pokémon va être casse-couille. Pas mal, j'avoue. Ah, là, elle sonne. Ah, terrible désillusion, j'avais aucune chance de gagner. Mais en vrai, j'ai bien kiffé le combat. Après, je te préviens, il n'y a pas beaucoup de dresseurs qui réussissent l'épreuve pratique. Mais je me dis que t'as toutes tes chances d'y arriver. Ta prochaine adversaire sera encore plus forte, alors t'as intérêt à t'accrocher. Allez, c'est à toi de jouer. J'arrive. Attends, sérieux, c'est pas nous, on doit aller dans chaque salle? Genre, t'as chaque dresseur qui vont se ramener dans une seule salle? C'est un peu nul. Puis surtout, si on peut pas te soigner, c'est encore plus dégueulasse. Bah Cayenne, t'as perdu. Et ouais, je te préviens, il se défend plutôt bien. Je vais m'installer à côté pour regarder, t'as intérêt à me venger. C'est comme si c'était fait. Non, c'est bien, au moins on me laisse me soigner. Et j'ai envie de dire encore, oh bordel. Par contre,
contre Zoroark, on va le dégager de là. Hop, casse ta mère. Qu'est-ce qu'on veut utiliser ? Oui, les élixirs. Bah du coup lui aussi. Hein. D'accord. Bon, bah au moins c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut. Allez, on sauvegarde comme ça au moins. C'est fait. Voilà. Et. Allez. C'est drôlement gentil d'être venu jusqu'ici, mais c'est déjà l'heure de dire au revoir. Parce que mes Pokémon, ils sont super forts d'abord, et tes attaques, eh ben, leur feront pas un seul bobo. Allez, je vais te les présenter. Oh, une clé. Oh putain. Vas-y, mon Pachi, montre-lui tes grosses papades de plus près. Merde. Merde, pas trop en fait. Hein. D'accord. Donc on va mettre aucun autre Pokémon pour l'instant. Espèce d'enculé. Yay! Corvalius, c'est un type vol, merde! Eh ouais, type vol ténèbres ou vol spectre. Et vous savez quoi? Allez, hydrofus encore. Hein. Ah, hein. D'accord. Bah, tant mieux pour toi, hein. Bon, c'est bien, au moins il s'est blessé. Fils de pute. Non. Bah, j'étais sûr que c'était lui qu'il fallait pas. Allez, rejoue. Une attaque et tu le tues. Ah, bah oui. C'est bien le Raichu. Je crois que pour lui, c'est Gardevoir qu'il faut utiliser. Je suis pas sûr, mais je crois. Oh, ça va, elle a pas perdu de vie. Là, si. Bon, pas énormément, mais tant mieux. Merde. On va tenter de psycho pour vous. Et non, putain, c'est vrai, c'est l'inverse. Tant pis, on. Bon, on va tenter psycho, allez. Si ça fonctionne. Oh merde. Bon, bah, elle est morte. Ah là là. Putain, non, c'est vrai, c'était lui que j'aurais dû utiliser. Putain, le con. Bah ouais, voilà. Un magnézone. Tant magnézone, c'est un type électrique. Ouais, mais non, on a rien. Hein.
Bah non, tant pis, on va le tenter avec Flavigator. Hein. Je sais pas, on va tenter. Et bah tant mieux, ça a très bien fonctionné. Et voilà. Donc il aurait pu crever s'il aurait pas fermé le coup, en vrai. Il aurait pu crever. Ah. Et bah ça c'est pas une capacité spéciale, donc nique ta mère. Non. Oh. Waouh, Forgelina. Mon dernier Pokémon, eh ben, il va gagner tout seul d'abord. Vous savez, le pire, c'est que je crois que c'est vrai. Sauf si c'est un type plante. Je sais pas c'est quoi, mais allez. Parce qu'elle l'aurait fait aussi de toute façon, donc au moins mieux vaut se préparer. Vas-y ma Forgelina, montre puisque c'est toi la plus jolie. Eh bien parfait, on l'a one shot. Oh. Chez. Du coup c'était quel type, parce que j'avoue que j'ai pas compris. Tant pis, on verra. Hein. On verra ça plus tard. C'est pas grave s'il est blessé par le contre-courant, on s'en fout. De toute façon c'est fini. Ouais, c'était sûr. Alors. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on peut sortir du d'ici. Mais je voulais laver le front qu'il t'a fait, j'ai pas réussi, moi. Tu veux pas dire plutôt laver l'affront qu'il m'a fait. Mon front est propre, tu sais. Bref, t'as perdu ça. Et maintenant, faut que t'appelles le prochain dresseur. Ah oui, c'est vrai. Désolé, ça fait tellement longtemps que j'avais pas perdu. Que j'avais pas perdu, que j'ai oublié. Putain, ça veut dire que les autres, c'était vraiment des merdes. Hein. You, monsieur, c'est pas vous. C'est lui. Donc champion d'arène et membre du conseil 4. Pas mal le CV, hein. Bonjour, je suis Okuba. Donc lui c'est un type normal. Lui il est type normal. Donc déjà, pour commencer. Voilà, mais on va. J'ai envie de savoir est-ce qu'on peut se barrer. Merde. Bon. Moi, je pense que par logique, notre orbe terra cristallisée, elle est remise à zéro. En mode comme si on l'avait pas utilisé. Ça paraît très logique, même. Mais bon, on sait jamais. Hein. Bah oui, voilà, c'est mieux comme ça. Ouais non, allez, on va utiliser les potions. Potion max, allez. Ah bah attends, super potion, on va le donner à Raichu. Voilà, ça c'est fait. Et potion max encore à elle. Voilà. Les huiles. Oula oui, si jamais on en a besoin. Hein. Non, pas toi. Ouais non, ça va. Ok. Et bien du coup, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce c'était les Mikoupa. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde.